Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul qui est très rapide, hein, je vous l'avoue. C'est les dernières petites choses que j'ai achetées il n'y a pas très longtemps. Donc on commence tout de suite avec cette paire de chaussures, tout à fait magnifique. Voilà, elles scintillent, elles sont trop belles. Je les ai eues dans la galerie de Cora Cormontreuil à Reims, donc avec ces petites strass là. Je crois que la boutique s'appelle Texto et je les ai eues pour 25 euros. Donc voilà, ça c'était pour cette paire là. J'en ai trouvé une deuxième qui est cette fois un peu plus grande, voilà, à plateforme devant, et qui est cette fois couleur argentée, que j'ai trouvé en fait toujours au même prix à 25 euros. Je les ai négociées car je suis allée à Charleville-Mézières et dans la rue en fait commerçante du centre-ville, la fille en fait elle m'a dit il reste plus que cette pointure là, donc je peux vous la négocier à 25. Elles étaient à la base à 40, donc voilà, ça c'était pour les chaussures. Ensuite j'ai racheté des tétines Avent comme ça qui sont donc je les ai achetées chez Aubert, non BB9. Elles étaient à une dizaine d'euros, je crois. C'est des tétines à débit variable que vous voyez là. Et en fait, elles s'ouvrent pour la bouillie, en fait, en fonction de la texture de la bouillie. Et ça, c'est super quand, en fait, votre bébé est en 3 ou en 4, on ne sait pas trop. Le 4, c'est trop fort. Le 3, c'est limite. Pour les choses qui passent pas du tout, ça peut faire l'ensemble en fait, du moins au plus ouvert. On passe toujours dans le bébé avec une paire de Nike que j'ai trouvé en fait à Verdun, donc des Griffes Mania. Je les ai eues à 19,99€, donc 20€, en taille 21 pour Loulou, parce que ça y est, ça marche. Donc du coup je les ai trouvées trop belles. Il y en avait une autre blanche et bleue. Du coup je suis allée voir les grands-parents parce qu'on était tous dans les magasins qu'on voulait pour voir s'ils pouvaient lâcher un bifton pour le petit-fils. Et en fait ils étaient au Décathlon, et au Décathlon on s'est trouvé avec une paire d'Adidas qui nous plaisait bien. Alors moi j'aime pas le rouge à la base, mais j'ai trouvé que là en blanc, noir et rouge c'est plutôt sympa. Donc au même prix, 20€, en toujours, je crois que c'est du 20 celle-ci par contre, parce qu'elle taille pas pareil. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Celle-ci, oui, c'est du 20 parce qu'elle taille un petit peu plus grand. Donc, oui, un petit peu plus grand. Donc, du coup, voilà quoi. J'ai pris. Ensuite, j'ai pris un ensemble soutien-gorge culotte que j'ai eu chez Leclerc, me semble-t-il. Leclerc ou Cora, je sais. Franchement, je vous avoue, je ne sais plus. Et en fait, ils étaient en promo. Je ne me rappelle plus les prix, par contre. 13€, je crois. Les culottes étaient à 5,90€. Ah ouais, non, si, c'est Leclerc. Donc, les culottes étaient à 5,90€. Donc, moi, j'ai pris 46,48€. Tout simplement. Et il me semble que le soutien-gorge était à 13€. Non, si, c'est pas ça. Non. Je ne sais plus. Je pourrais pas vous dire, je me rappelle plus. Mais donc, du coup, je me suis repris une rechange. Donc, voilà. Pareil en allant au Leclerc, donc à Champfleury, il y a un magasin qui s'appelle Toscane, donc en fait c'est une filière d'Armentieri. Et finalement je me suis pris un pantalon d'hiver en taille 2, donc toujours 46-44, qui sera parfait pour faire de la moto, donc coton, polyester, élastane. Et je l'ai eu à 30€ tout pile, alors que c'est des pantalons en général chez Armentieri qui valent une blinde, quasi 60 balles. Donc il est un peu en imitation, un peu cuir comme ça. Et donc du coup j'aimais bien, et il y en avait deux que j'avais vu, mais l'autre était beaucoup moins bien, donc je n'ai acheté que celui-ci. Ensuite, tout bête, et on arrive au terme de ce haul improvisé comme ça, je me suis pris un logigramme comme ça dans une maison de la presse. Ça coûte 4,80€ quand même. Et en fait, c'est, vous savez, avec des énigmes, il faut cocher non, oui, non, oui, pour savoir, par exemple, Alexis qui a 15 ans a choisi escalade et volleyball au sport. Donc voilà, et en fait, c'est trop compliqué. J'en ai réussi 1 sur 4 pour l'instant, les 4 premières pages. Enfin, en vrai, je me trompe tout le temps. Donc, c'est des trucs de logique et je trouve ça super sympa. Après, le truc, c'est que il y a d'autres logigrammes que je vais tester, que j'ai jamais essayé. C'est avec des chiffres un peu... je peux pas vous dire. Donc, voilà. J'en ai pris un tout petit, mais
un mot casé aussi. Donc en fait, en fonction des lettres, par exemple, il vous donne un mot, vous trouvez le mot et les lettres correspondent à un chiffre et ce chiffre, en fait, dans la grille, vous le reportez, en fait. Si le 5 correspond à un E, tous les 5, vous allez mettre E à la place. Donc ça, j'aime bien aussi. J'en ai pris un petit pour mettre dans le sac que j'ai pas ici, là, tout de suite. Mais du coup, moi, j'ai bien aimé. Alors, attendez. Du. 16,90 € en fait, le soutien-gorge, il m'a coûté. Donc voilà, et le slip était à 7,90 €. Donc finalement, j'en ai pris deux quand même. Donc voilà, bah écoutez, c'était un haul hyper rapide. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ici sur le logo. Vous pouvez cliquer directement, vous pourrez tomber sur la page d'abonnement automatique. Et puis sinon, sur ce, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao!